Amis cynophiles, bonjour. Alors, troisième jour dans le Hunan et on va aller se faire des nouilles qui traversent le pont. Ouais, des nouilles qui traversent le pont. Au tiers, Michel. Le concept est très simple. Du vermicelle. Une soupe. Et on a un pont qui se crée lorsqu'on passe l'un vers l'autre. Rien de tel pour le petit-déj. Bon appétit. Ok. C'est super bon. Par contre, la quantité, elle est énorme. J'ai même pas pu finir, quoi. Et pourtant, je suis un bon mangeur. Génial. Comme note, un 8 sur 10. Le patron du jambon. C'est excellent. C'est que c'est là. On est encore le matin, mais il fait déjà super chaud.
Mais je suis obligé de laisser mon pull à manches longues là parce que sinon le soleil ça tape trop fort quoi. On a déjà tous des coups de soleil, c'est un truc de malade. Le Hunan c'est vraiment une très très belle région. Mais ce soleil et ce vent le matin et le soir là. Fou. Ils mettent des messages comme ça partout parce que, première vue, il y a un an ou deux, il y a eu un incendie ici dans la forêt aux alentours. Et ça a été catastrophique. Alors du coup, même à l'entrée tout à l'heure, ils nous disaient voilà, interdit aux briquets. Et partout, il y a des messages, des pancartes et tout ça. Ils ont peur que les pins ici, tout ça prenne feu et tout ça quoi. Ce qui est compréhensible. Un joli petit temple, c'était bien sympa. Ce qui est sympa aussi, c'est le prix pour rentrer seulement dans les 3 yuan. Ce qui est raisonnable par rapport à certains coins touristiques. Ici, il n'y a vraiment pas beaucoup de touristes ni d'étrangers. Enfin, il y a beaucoup de gens qui viennent ici pour le jambon et les patates, mais pas trop pour visiter les temples. Et bon, voilà, c'était très sympathique, très joli, très calme. Et puis les petits écuries en plus, ça fait du bien. Maintenant, on va aller, eh bien, puisqu'on parlait de jambon justement, eh bien, au marché du jambon. C'est parti. Bon, pas de place du jambon pour cette fois-ci parce que belle maman est souffrante et donc on finit d'abord un petit stop par l'hôpital et ensuite je sais pas où est-ce qu'on va aller. Donc changement de plan. Amis cynophiles, bonjour. Alors vous voyez cette vidéo quelques secondes après eh bien, la partie précédente, mais en fait elle est enregistrée une trentaine d'heures après parce que j'ai eu quelques petits soucis. Vous voyez que je suis déjà rentré à la maison ici à Guyane. En fait ce qui s'est passé hier c'est que on est allé à l'hôpital pour belle-maman et puis donc elle a vu que ça allait pas très très bien donc on s'est dit qu'on allait rentrer et je voulais continuer à enregistrer donc l'après-midi, enfin on a surtout fait que manger en fait comme d'habitude, on mange tout le temps. Le problème c'est que j'avais plus de voix, j'ai perdu ma voix d'ailleurs, elle est pas complètement revenue donc je vais faire attention. J'ai préparé mon petit remède maison avec du miel, du citron, un peu d'eau salée et tout ça. Et donc pour la route du retour c'est pareil, je me suis dit bah je vais pas trop parler et je me suis dit bah je vais filmer et juste filmer, mais au final bah c'est la même route que l'aller en fait qu'on a pris. On a failli s'arrêter dans une ancienne ville, mais au final on s'est pas arrêté parce qu'on avait des poulets dans le coffre, hein, vraiment. C'est une autre histoire ça. Donc j'ai rien eu de vraiment passionnant, transcendant à filmer, donc bah, je vais pas filmer, je préfère vous partager que les moments extra, parce que bah les moments où c'est la même chose que la veille, bah c'est pas vraiment, enfin que deux jours avant, c'est pas ce qu'il y a de plus passionnant. Enfin bon. Peu importe, donc je suis rentré à la maison quoi. C'était pour vous dire ça. D'ailleurs je crois que j'ai reçu un colis ici, j'ai même pas regardé ce que c'était, c'est de la part de Gearbest, ils m'ont envoyé un truc. On va l'ouvrir, on va pas faire la review, on va l'ouvrir, on va regarder ce que c'est. Ils m'envoient tout le temps des trucs géniaux, Gearbest, c'est génial. D'ailleurs, ça, le Mi Band, là j'en ai acheté un deuxième. C'est moi qui l'ai acheté cette fois-ci avec, avec mes sous. Tellement c'est bien. Ils m'envoient des trucs qui sont bien et qu'on a envie de les acheter, même une fois qu'on les a déjà eu une fois gratuitement, quoi. Enfin bon. C'est... Allez, on va regarder, parce qu'après il faut que j'arrête de parler, moi j'ai plus de voix. Pas beaucoup de lumière ici. Attendez. D'ailleurs, on me demande souvent comment m'envoyer des trucs, donc il y a des auteurs qui veulent m'envoyer des bidules, donc leurs livres pour des bidules, leurs livres pour que j'en fasse une review, ou d'autres personnes qui veulent m'envoyer des produits pour que j'en parle dans mes vidéos. Je vous ferai une vidéo spéciale pour vous expliquer comment est-ce que vous pouvez m'envoyer des trucs, et même si vous n'êtes pas une entreprise et puis vous avez juste envie de m'envoyer un truc, bah je vous expliquerai comment faire, je vous donnerai mon adresse et tout ça. Donc, et même quand je suis pas là, comme là ces jours-ci, quand je suis pas là, il y a quelqu'un qui est là pour récupérer les colis pour moi. Donc je vous expliquerai tout ça parce que là j'ai plus de voix. Allez, on ouvre. Alors ça c'est génial, il m'en avait parlé, Gearbest, il m'avait dit que c'est le vidéoprojecteur. Alors du coup je l'ai même reçu ici à Guyane, même si j'étais pas là, avant que le produit soit sorti officiellement. Donc ça c'est génial, ça doit être un échantillon. Et donc il s'agit d'un vidéoprojecteur en fait, mais un minuscule vidéoprojecteur qui fonctionne sous Android.
et qui peut aussi faire office de power bank, etc., etc. C'est un truc génial. Alors, je vais le brancher justement sur mon power bank pour voir si ça marche. Et je vous en ferai une review. Je vais regarder c'est quel ampère. 2 ampères. Et je vous en ferai une review dans les jours à venir. Ça a l'air génial, vraiment génial. Merci Gearbest. Et moi je vous dis à demain pour une autre vidéo. Bye bye. J'adore ça. J'adore.